ces types? Peu importe, on sait où aller. Allez, viens, fiche le camp d'ici. Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, moi personnellement, ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui, suite de The Last of Us. La dernière fois, on avait réussi à arriver dans le labo. Au final, on a appris que ils s'étaient tous barrés à un autre endroit. Du coup, on a voulu repartir, sauf que il y a eu masse monde qui s'est ramené. Alors par contre, ce qui est assez chiant, c'est que du coup le son sort de ma manette. Alors je sais pas si vous avez très bien entendu. Non, la hache c'est mieux. Ok les gars, il est temps de se faire un kit de soins. Non, pas ça. Ok, j'ai failli me tromper dans mes trucs. Ok, hop, on s'en prend un. Vu qu'on s'était amélioré la vitesse de soins. Oh, attendez, il y avait un truc là. Non. Oh, j'ai cru voir un autre truc intéressant. Ok, on peut avancer. Pas trop où sont les gardes. Ok, moi je fais encore plus de bruit que le monde entier quoi. Hop. Non mais elle est complètement con. Fais diversion. Ok. Tata yo yo. Bim. Ah, oh, j'en ai eu qu'un je crois. Fuck. Ils vont arriver par ma droite. Hop. En moins. Oula, lui il va me voir. Bon bah il m'a vu. Voilà, nickel. Lui par contre je sais pas si c'est que où je suis. On va passer par la fenêtre. Merde, il est où? Ah, il est d'accord, ok. Ok, nickel. Bon, on les a tous eus, non? Non, je ne sais pas. Alors. Bon. C'est bon, on peut avancer. Putain, on a le cœur qui bat la chamade. Bon, on peut y aller ou pas? Quoi? Oh, elle a géré. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a trois gars là-bas. Ah, mais attendez. Ah, d'accord. Je me suis peut-être trompé de chemin en fait. Merde. Où est-ce qu'il est l'autre? L'autre il va arriver par là et moi je vais arriver par derrière. Tac. Oh, et regardez, il y a un truc là. Hop, on prend. Y'a rien d'autre.
Le mec qui fait ses courses pendant qu'il y a des gars, quoi. Il a l'air de rien avoir d'œuf. Ah, là, je peux ouvrir un truc. Oula, excusez-moi. Ceci sera coupé au montage, bien entendu. Alors, où sommes-nous? Où dois-je aller? Ça a l'air d'être par là. Non, pas du tout. Ah bah mince, alors où faut que j'aille? Non, non, attendez, là, je suis en train de retourner en arrière, là, on est d'accord. Ouais, je suis en train de retourner en arrière, donc ça le fait pas. Hop, je repars. Oula, munitions. Une brique, là, mais on s'en fout un peu. Non, on garde notre hache, elle est cool. Attendez, ah ouais, non, mais je suis plein, d'accord, ok. On va aller par là. Mais là, je vois pas où faut que j'aille. Ah mais si, putain, mais quel con. Putain, mais le boulet, quoi, je vous jure. Ouah, j'avais pas vu. Aïe. Oh my god. Oh non, le con, quoi. Pire boulet, tu meurs. Putain, pire que moi, on meurt. Qu'est-ce qu'il est? Ah. Oh, bah. Oh non. Bon bah, là, je crois que c'est la fin. Putain, faut que... Non mais là, faut que j'arrête mes conneries, là. Là, faut que j'arrête les conneries. Alors écoutez, à la place de prendre l'arc, on va prendre ce bon petit fusil. Hop, nickel. On va utiliser un petit peu les autres armes qu'on a, parce que celui-là, par exemple, on l'a jamais vraiment utilisé. Oh putain de merde. Allez, couvre-moi. Oh là, bon d'accord, ok. Je vais regarder par là-bas. J'ai rien pour meuf. Donne des trucs. Joël, là. Sympa. Putain, je l'avais pas vu. Par contre, on est dans la merde, on n'a pas d'alcool. Il nous faut de l'alcool. Connard.
Le mec, il faut crever, il veut de l'alcool. Allons-y. Joël, tu vas bien? Ça va. Ça va. Tu gères la fenêtre? Ouais. Ok. Oh, je m'en doutais qu'il allait se casser la gueule. Bouge! Sérieux? Bon, reste ici. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes portes que t'as descendues, enfoiré. Oula. Sors de là. T'as envie de jouer au coup? Parce que c'est un peu un passage très intéressant. Quoi ? Derrière toi, il y a du monde. Allez. Oh non ! Non ! Okay. Les gens, les mecs, ils descendent, ils s'en battent les couilles. Oh ! Oh, elle gère ! Par contre, elle s'est pris un sacré coup dans la gueule. Hein. Allez, lève-toi ! Mets ton bras sur moi. Allez, on y va. Je te jure, si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson. Tu rêves. Reste là. Je vais ouvrir. Prends ton temps. Allez. C'est bien parce qu'elle m'aide, puis maintenant je vais me débrouiller tout seul. Hein. Ah bah oui. Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez !
mort. Allez, fin de l'histoire, au revoir. Oh, je m'en doutais. Oh, pauvre bête. Ça durera pas très longtemps. Quoi? Non, sans déconner, il est vraiment mort? Tu lui ferais peur. Quoi? Non, mais ils sont sérieux. Ok, d'accord. Bon, bah, il est mort. Bon, bah, où on joue Ellie. Tant pis. Hein. Parce qu'il est passé saleté. Le voilà. J'arrive. Putain, là, je suis choqué quand même. Enfin, dans ce jeu, ils ont le mérite de faire mourir des persos et juste après de passer la saison. Comme ils avaient fait avec. Comment ils s'appellent déjà les. Je sais plus comment ils s'appellent. Les deux frères là. Je sais plus comment ils s'appellent. Allez. Merde, il a entendu. Ah merde, il a entendu. Hop. Passant entre les trucs. Putain, il court vite, ça, le bestiole. En même temps, c'est logique. Hop. Allez, on avance. Putain, là, je suis choqué, n'empêche qu'il soit mort. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là-bas au bout, mais je pourrais pas l'avoir. Je pourrais pas l'avoir de cette distance, faut que je me rapproche un peu. Si je monte sur les gros cailloux là à gauche, est-ce que vous pensez que je pourrais l'avoir? On va tester. On va tester. Hop, on avance à pas de loup. Pour éviter qu'il m'entende. Hop. Merde, il est parti? Ah non, c'est bon, il est encore là. Hop, on évite de rentrer dans les fougères. Je le vois plus. Tac. Je passe par là. Ok, de là, je peux l'avoir. Mais vu que je suis doué au tir... Bouge pas. Oh, attendez, oh putain, de loin, ça va être chaud. Quoi, mais en un coup, il meurt pas, sale bête. Oula. Putain, mais il va me faire aller où, sérieux? Je vais perdre mon cheval si ça continue. Putain, j'ai cru qu'il y avait un... J'ai cru qu'il y avait un claqueur. Hop, on va passer par là, nous on est des fous. Hop, par contre on va s'accroupir. Alors où est-ce qu'il est? Ah, il est juste là. Là je peux l'avoir. Là honnêtement. Attends, oula, c'est peut-être trop loin. Putain, ça va être chaud. Totalement raté, bravo. Alors ça c'est de l'expérience. On peut pas faire mieux. Putain, je suis sûr que j'ai visé carrément à côté en plus. Alors où est-ce qu'il est parti? On va passer 20 ans à rechercher un animal. Putain, où est-ce qu'il s'est barré?
Petit. Ah, il est là. Oh, regardez. Pile poil ce qu'il nous faut. On va monter. Parce que là, j'avance beaucoup trop vite. On va monter sur le caillou. Il va pas nous entendre. Et on va l'attaquer de haut. On va lui sauter dessus avec notre couteau. Même si je pense que c'est pas possible. Ok, de là on peut l'avoir. De là. Salut, pourquoi tu me regardes? Mais non! Merde. Pourquoi il meurt pas? Putain, deux flèches, il aurait dû crever. Ah, faut peut-être que je tire dans la tête. Ça semble un peu plus logique maintenant en fait. En fait, j'ai pas envie de tirer dans la tête, moi j'ai envie de manger la tête. Je suis le genre de gars qui mange la tête des animaux. Alors, où est-ce qu'il est? Ce corps barré est loin. Ah. On l'entend courir. Là, je suis sûr, en fait, le truc, il est interminable, en fait. Ils ont fait un truc pour les gars comme moi. T'es encore vivant. Qui savent pas tuer un animal avec un arc. Du coup, ils le font courir pendant je sais pas combien de temps. Alors. Eh non, il est mort. Eh non, il est où? What the fuck? Il a sauté la barrière? Oh, le salopard. Allez, hop, on va à droite. Ça me semble être une bonne option. Ah, mais il va bientôt crever, quand même. S'il vous plaît. À force de perdre du sang comme ça, il va mourir. My god, il est où? What the fuck? Petite maison. Ok, il est rentré dans la maison, d'accord. Hop, on y va. C'est quoi cet endroit? Oh, super. Oh, super. Tout va bien. Tout va bien. Cet endroit n'est pas glauque du tout. Attendez, on entend quelqu'un pleurer ou je rêve? C'est peut-être le cerf. On ne sait pas. Bon, alors c'est pas... Ah bah quand même, il est mort. Ah, vous avez vu, deux coups pour le tuer. Montrez-vous! Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants. Et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux... Le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Voilà.
Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Mais comment tu t'appelles ? Pourquoi ? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Ah putain, pas eux. Vous aviez une autre arme ? Désolé. Ok, oh, putain, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Non. Je me suis un peu entraînée. Je ne sais pas m'en servir. On doit absolument les empêcher d'entrer. Ok. Chasse. Espérons qu'ils le trouvent pas. Ok. Je peux m'en aller et toi tu... Okay, bon bah je défends les fenêtres. Coucou. J'ai pas une autre arme. Oh, j'ai un arc. Faut pas un peu les feuilles. Ne gaspille surtout pas tes balles. La cause. Ok. Le mec qui vise pas du tout à côté. Attendez, je dois défendre les fenêtres, c'est-à-dire toutes les fenêtres. Toc, crève, toc. Toc. Ah oh. Il a donné des munitions. Oh, il m'a fait trop mal. Vite. Ok, j'ai rien du tout. Tu plaisantais pas. T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Ah bah oh. Tu te prends pour qui ? Donne-moi un coup de main. Non, tu te démerdes. Allez, allez. Oh my fucking god. Non. Elle a pas de surin, bah comme par hasard hein. Putain. Saleté de gamine. Rien par ici. Je vous jure. Ah, par ici, bah ouais, y'a plus personne. Je suis mort. Il y en a plein qui nous arrivent dessus. Ouais, je les vois. C'est même pas de rentrer, ça je sais. Toi, tu m'auras pas cette fois. Ok, d'accord. Non mais, ok, j'allais dire, putain. Ça va, j'ai plus que deux munitions. Tac. Oh. Ah. Ah. Vite, on s'échappe. Non, par contre, elle veut pas échouer. Aïe, aïe. Mais what? Ok, je déteste ces phases là. Bon, rien par ici. Écoutez, hop, on reprend l'arc. De toute façon, ils arrivent tous les. Il y en a deux qui arrivent ici de base. Tac. Ouais, je les vois. Tac. Et là-bas, il y a. Mais... Non, tu ne vois pas. J'en ai marre. On va y arriver, vous en faites pas. Rien par ici. Ouais, c'est ça, tais-toi. Laisse-moi me concentrer. Allez, vas-y. Sur ta droite. Quoi, sur ma droite, y a rien sur ma droite. Arrête ton char. Tac. Tac. Qu'est-ce que j'ai ?
Reviens. Oh, merde. Ah, par contre... Putain, ta race, il vient vers moi en plus. Ah. Ah. Tiens. Donne des trucs. Waouh, c'est cool. Ouais, merci. T'as pas d'autres munitions? Ouais. Non mais sans déconner, on peut avoir des renforts? Non? Ok, bon bah tant pis. Oh, y'avait pas un truc. Tant pis. On doit quitter cette pièce. Non. Ok, petite. Attends deux secondes. Oh! Ça c'est cool. Oh, putain, ah! Allez, j'arrive. Je vais les retenir. Surveille les oh. Oh d'accord. Non mais ils sont morts. Tiens. On peut s'en aller? Non. J'ai envie de garder mon. Mais avance. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Vous savez où vous allez? J'ai jamais mis les pieds ici. Super. Ouais, ça fait plaisir. Oh, la voile est libre. Yep. Par ici. Je suis là. Oui, bah ça, on le sait que t'es là. T'es con, ouais. Tu tiens le coup? Mais ouais, t'inquiète. Je gère. En une seule fois. Là, ok. Je... T'éloigne pas. Et fais attention. Pourquoi ça tombe sur nous? Hé, hey, petite, ça va bien? Non. Ça va. Des oh, caca! Sors de là! Attends, ils sont là-haut? Non, c'est bon, on s'en bat les couilles. C'est lui, on s'en fout. Ok. Oh! Ok. Alors, ça, c'est ce genre de face que je déteste. Oh putain, il vient vers nous en plus. Hop. Ah oh, oui, c'est vrai, on a un petit. Par contre, est-ce qu'il y a des zombies normaux? Ouais, ça a l'air. Ah, je passe là, tu peux pas m'avoir. Fuck you. Oh my god. Merde, j'ai cru que j'avais ramassé la brique. Tout à l'heure. Pourquoi ils peuvent venir par là? Oh non. Oh, fucking god. Hop. On passe par là, vite. Ah, c'est quoi ça? Ok. Ah, il y en a un là. Ok, on avance. Il y en a un autre là. Putain. Oula, par contre, ne t'approche pas de moi. J'ai récupéré la brique. Non, mais sous moi. Il n'y a aucun des deux qui l'a entendu. Oh, si, il y en a un. Le deuxième, non. Le deuxième, ok. Ah, d'accord, ok, il y en avait trois. Ok. On avance. Ah. Au revoir. Attendez. Ouah. Allez, va là-bas. Merci. En attendant, moi je me tire. Fuck you. Je me retire. Oh non, faut que j'arrête avec les blocs comme ça. Hein. Hop. Ah. Oh mon poteau, il est là. Salut. Salut toi. Oh les munitions. J'arrive. Je reste pas là ici plus longtemps. Il était presque. Et quoi, elle est où la porte? Elle est là-haut. Oh putain de merde. Comment on fait là, pour aller là-haut? On peut utiliser cette échelle. Quelle échelle? Oh d'accord. Allez vas-y. Tu m'aides à monter? Non. Ok bon. Fuck it. Comment il veut que j'utilise l'échelle? Faut que je fasse le tour. À moins qu'il m'aide à monter. Non, tu m'aideras pas à monter, quoi. Salopard. Il y a des trucs ici. Tac.
Oh, de l'alcool. Ah, j'ai pas assez pour me faire un kit. Ah là, regardez. Ça, je suis sûr on peut le... Non, tu te fous de moi. Putain, on peut pas le tirer, ça. Bon, bah, on peut pas. Elle est bizarre, la mare de sang. Hé, hey, venez, soulevez-moi. Ok, prête. Mm-hmm. Allez. Est très bizarre, la mare de sang de zombie, par contre. Le zombie, il saigne pas, quoi. C'est du jus de fraise. Ok, est-ce qu'il y a des zombies, là-haut? Fais attention aux infectés. Fais attention aux infectés, d'accord, ok. Hop, on passe par là. Oh, putain. Hop, ça sert à rien qu'on passe là. Non, on va pas passer par là. Ok, on avance tout doucement. Putain, j'ai peur que le truc il se casse la gueule. Je sais pas pourquoi je m'attends à ce qu'il se casse. Oh, une brique. My fucking god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Comme par hasard. Comment je vais faire pour passer? Passe. Oh! Ah! Ah! Tip! Où est-ce qu'il est? Eh bah écoutez, on descend. Descends! Ah! Aide-moi! Aide-moi! Hop! Non! Mais le mec il me regarde, il fait: oh, t'as attaqué? Bon, bah, les couilles, hein, tu te démerdes. Connard. Écoutez, cette fois-ci. Oh, j'ai plus de flèches. Fuck. Bon, bah écoutez, tant pis. On y va en mode franco larigo. Hop, on va l'attaquer de front. Tu peux m'aider? Merci. Eh, hey, venez, soulevez-moi. Ah, mais attendez, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait défoncer la gueule. Bah, c'est pas grave, on s'en fout. Allez. Oh, je sais. J'ai confectionné une bombe. Mais je crois que j'ai pas assez de trucs pour confectionner la bombe. On va regarder. Ok, dépêche-toi. Okay. Fais attention aux infectés. Oh, t'es sérieux? Bon, allez, go. Oh, une brique. Ok, donc. Ok, donc toi, mon coco. Mais quel boulet, putain! Est-ce qu'on l'attaque? Je ne sais pas. Moi j'ai envie de l'attaquer. On l'attaque. Oh my fucking god. Hop, allez go. Allez. On peut le faire. Ok. Et voilà. Allez, puis la meuf qui fait pas du tout de masse de bruit. Allez go, j'arrive. Aïe. Je me suis tordu la cheville, c'est bon, c'est la fin de l'aventure. Allez. Ok, bon, alors j'ai quoi comme munitions? Y'a du monde là-bas? Bon, ça va, ça a l'air d'être calme. Ah, c'est bon, oh, 2 secondes. Putain, j'entends des zombies, mais je ne sais pas où ils sont. Oh, il a pensé à fermer la porte, ça c'est cool. Non, ça va, t'es pas du tout en train de courir alors qu'il y a masse de zombies autour? Putain, mais le con, je vous jure. Oh non, 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 moi je me casse, je veux pas encore une phase. C'est encore une phase de vague? Ah non, ça a l'air de...
ça a pas l'air d'être ça. Munition. Ça c'est cool. Oh, un mec qui veut parler. Merde. On dirait que les derniers à les avoir affrontés. Oh, des flèches. Oh. Je cherchais justement ces garçons. Oh. Une brique, on s'en fout. Je vais chercher une sortie. Hop. Tac. Bon, alors, est-ce qu'on peut faire des trucs? On peut pas encore faire ça. Ça, on peut en faire, mais on en a deux. Tu vois des choses utiles? Ça va, le mec est pas du tout. Tu vois un truc? Oh, là, y a des... Qu'est-ce qu'on fait du coup? Oh non! Prépare-toi. Ok. Ok, il y a un zombie qui arrive là. Ah, vas-y, gère-le, moi je sais bien. Non, t'as besoin d'aide? Tu veux quelque chose? Sayo! Ah! Ah! Ça sert à rien de te mettre maintenant. Vous entendez ? Sur le toit ! Je sais ! Donc de moi, il vient aussi sur le toit ? Oh non, par contre, ça va pas le faire. Tac. Oh, munition ! Oh my fucking god. Oh. Par contre, j'ai entendu un claqueur. Hop. Non, ça c'est moi mec, ne tire pas dessus s'il te plaît. Ok. À l'attaque. Oh, je peux en faire un. Vite. Oh putain. Non mais... Ah, ah. Non. Tiens. Pas trop ce bruit. C'est un colosse. Oh putain, non! C'est type super costaud! Non, c'est du garde! Ah non, c'est bon, c'est bon. Je vais en faire un. À ce côté, ça là. Est-ce qu'il va passer par le. Ah, il est esquivé. Esquivé, je te laisse. Ah! Tiens! Hop! Bim! Ah! Ok, d'accord, par contre, ça va peut-être pas le faire. Hop! Cocktail Molotov! Récupère les munitions, bordel de merde. Il est mort ? Non, il est pas mort. Par contre, il est en train de défoncer notre. Bravo, dépenser un truc pour rien, ça c'est cool. C'est ce que je fais en général. Merci. Par contre, s'il est mort maintenant, non, merci. Un seul, ça s'est fait là. Ouais. Quoi ? Je sais pas qu'on a réussi. Ah ouais. On les a tous butés. Tac. J'ai du mal à y croire. Mais non, on en a laissé plein derrière. Attends, il est où? J'arrive. Il va se barrer sans nous, lui, et puis on va se faire avoir. Ils vont pas nous donner nos antibiotiques. Attends, appuie sur triangle. Écoute. Pas d'infecté. Pas d'infecté. Qu'est-ce que je disais? Ok, on y retourne. Allons voir notre serre. À combien je parie qu'il n'y a plus de serre? On se les fait carottes.
Et du coup, ils vont pas nous donner nos antibiotiques. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. T'emballes pas, mon gars. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois, je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Oh non, avec une petite fille. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné. Ah voilà. Fille. On va se faire niquer. Tu vois, tout arrive pour une raison. Allez, te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser faire. Baisse ton arme. Et le cerf. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Ah si, ils l'ont donné quand même. Dégage de mon chemin. Casse-toi. Tu survivras pas longtemps dehors. Je barre avec son fusil. Je peux te protéger. Bien sûr. Non, merci. Non mais il se prend pour qui le wesh. Pour déconner. Hein. Donc en fait, Joël serait peut-être encore en vie. On ne sait pas. Oh, on nous a pas carotté le cheval, ça c'est cool. Oh, il y a le petit lapin. Putain, mais c'est... Ce passage est magnifique. Joël ? Oh. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Par contre... trouver ça. Lève ton bras. Oh. Et voilà. Désolée. C'est bon. Tu vas t'en sortir. Bah du coup c'est moins drôle, je m'attendais à finir l'aventure avec elle. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. On va les éloigner d'ici. Allez,
parler. Il y avait les traces d'un cheval en bas de la rue. Elle est là. Et là, je la tiens. Ramène ton putain. Qu'est-ce que t'attends? Bute là. David a dit. On s'en bat. Bute là. Ah, c'est moi qui contrôle le cheval. Oh my god. Hop, on saute. Oula, oula, trop de monde, trop de monde. Esquive. Esquive des ours. Hop, hop. Ah, trop de monde. Meurs, salope. Ah, trop de monde. Hop. 30 ans d'équitation alors qu'elle en a que 14. On saute au-dessus du pont parce qu'on est classe. Voilà. Hop, on prend le petit raccourci. Oula, trop de monde. Hop. Oula. Oh, oh, ils peuvent me tirer dessus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je pensais que c'était une phase où vous ne pouvez pas nous tirer dessus. Non, tirez pas le cheval. Hop, esquive, esquive. Ah merde, d'accord. Oh, le cheval va quand même pas nous tomber dessus, de toute façon. Est-ce qu'on peut avoir une phase de calme, s'il vous plaît? Comment il s'appelait déjà, Delta, je sais pas quoi. Elle a dévalé la pente quelque part. Je la vois pas. Ouais, bah ok, d'accord, il me voit pas, il me tire dessus, il est sous le mot quoi. Vite, on rentre dans la maison. Oh, le tiroir. On peut avoir une phase de calme. Non. Pourquoi j'aime pas ce... J'aime pas quand on rentre dans des maisons comme ça, sans déconner quoi. Oh, des flèches. D'accord. Où est-ce qu'ils sont? David peut aller se faire foutre. Je prends pas de risque avec elle. Je veux juste en finir et rentrer. Je me gèle les couilles. Oh putain, mais y a trop de monde. On re-rentre. Je vais voir par là. Vous là. Oh putain, ouais, ils font fouiller la baraque. Oh, une flèche, vite. Avant qu'ils arrivent. Hop. Attendez, je vais rester caché. Oh merde. Ok. Oh putain, il m'a vu. Munition. Oh. Coup dans les coups. Couteau. Ok. On peut pas s'en faire un. Là, il y a un tiroir. À l'assaut! Oh my god. D'accord, ok. Le mec, il m'a mis un de ses vents, putain. Attendez, on va attendre qu'il passe là. Ouais. Nickel. Ok, bon. On fouille. Alors, peut-être qu'on peut s'en faire. Qu'est-ce qu'il sent? Je sais pas ce qu'elle cherche, mais... Elle les veut, hein. Hop, ok, je suis plein, On a fouillé toute la maison ou pas? Non, regardez. Oh, munitions. C'est bon ça. Allez hop, on se tire. Est-ce que j'ai encore ma flèche sur le mec ou pas? Allez, ah si c'est bon. Hop, on passe par les fenêtres.
vie. Où est-ce qu'il est ? Je m'entends un écho. D'accord, ok. Ah ! Le mec le plus discret au monde, quoi, sérieux. Attendez, il y a d'autres gars ? Ok. Est-ce que je peux me faire une petite bombe ? Nickel. Je suis caché. Hop, vous savez ce qu'on va faire ? On va... Hop, ni vu ni connu. Non, pourquoi t'es tout seul? Y'a les... Putain. Hop, attendez, y'a un autre gars derrière nous. Ouah, y'a trop de monde. Ok, il est rentré. Ok, il est ressorti. Ok, il m'a vu. Comment j'ai fait pour l'avoir sans deck? Oh, pas une bonne idée, je crois. Pas de courir. Voilà. Bon. Je vais où? Y a trop de monde. Et lui, il va pas me rendre mes flèches. Ah si, une. Et oh, nouvelle arme, fusil à pompe. Attendez, il y a des flèches là. Ah non, que dalle. Ah si, il y en a une. Non. Que dalle ici. Petite maison là. Coucou. Là, il y a un tiroir. Oh, plein de trucs. Miam miam. Voilà. Bon. On s'en sort plutôt pas trop mal. Tac. Où est-ce qu'ils sont les deux autres? Il y en a un là-bas. Je crois qu'il m'a... Ah non, il y en a deux là-bas. Ok, alors, comment on va s'en sortir? Est-ce que j'ai d'autres armes? Ça sert à rien. Oula, d'accord, la meuf qui se relève. On va écouter, on va essayer d'aller à droite. Non, là c'est mort. Il est pas mort? Si, c'est bon. Écoutez, le gars là-haut par contre... Il y a d'autres gens. Ouais, ouais, tout va bien, t'inquiète. J'arrive pas à le voir, le gars. Vite, 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 vite. On rentre dans le hangar. Dans les toilettes. Qui n'est pas du tout un hangar, d'ailleurs. On va faire le tour. Où est-ce qu'il est ? Hop! Est-ce qu'il me rend ma flèche? Non. Et lui? Oui. Là, je travaille le corps avec moi. C'est pour une balade? Sentier de découverte. Bon, ça devrait faire l'affaire. Oula. Tu l'as eu, Ellie. Tu peux avancer? Merci. Surtout, ton palo. Ah bah ouais, ça serait con, tiens, tomber à l'eau. Combien je vous parie qu'on va tomber dans l'eau? Ok. Oh, un petit trou. Il y a l'air d'avoir personne. En tout cas pour le moment.
truc me barre la route. Bah et alors ? J'ai la pompe ? Allez, go. Enfin, j'hésite là parce que ça se trouve, j'ai dépensé des munitions pour rien. Bon, on va tester. Ok. Comme je le pensais. Ça servait à strictement à rien. Parce qu'on peut l'enlever d'ici. Bravo ! Je le tire. Ouais. C'est bon. Oh, autant tester des trucs, hein. On sait jamais, ça se trouve, vous aurez été dégoûté qu'il explose le truc. Ok, on avance. Bon, ça, ça veut dire plein de gens. Oh putain, grosse maison. Voilà le chemin. Oh, les chemins. C'est bon, Joël. Il y a beaucoup de gens ici. Oh putain, ouais, bon, ça c'est sûr. Il va y avoir beaucoup de monde. Ou pas du tout. Mais on va aller dans la petite maison là-bas. Ok, d'accord. Putain, on va voir. Qu'est-ce qu'ils sont ? On n'a jamais de moment calme dans ce jeu, à part qu'on est dans une voiture, mais on se la fait exploser juste après, quoi. Hop, à l'arc. On sortira pas d'ici. Oh ! Saloperie. Oh, mais ils sont trop. Il y a trop de gens. Lui là-bas. Est-ce qu'il me rend ma flèche ? Oh, elle s'est explosée. Fuck. Y'a rien ici ? Non. Oh ! Ici. Ok, d'accord. Oh, le boulet, quoi. Putain, j'ai raté ma flèche. Ça, par contre, je l'ai pas raté. Attendez, y'en a d'autres ? Il y a d'autres que ces trois-là ? Non. Ah, il y a un truc là, non ? Est-ce qu'il est le gars ? Je le vois pas. Alors. Il est juste là, ok. On va se cacher. On va essayer de l'avoir au couteau. Hop, allez, go. Non, faut pas... Putain, mais quel débile. Ah ! Ok. Mauvaise idée de l'avoir au couteau. Quoi ? Est-ce que la fenêtre est ouverte ? Non. Putain. Putain. Là, on va aller là. Où est cette gamine ? Oh non ! Ok. Ils m'ont pas remarqué. Oh, une flèche. Merde, merde, merde. Arrête de dire des insultes, s'il te plaît. C'est pas le moment, je suis concentré. Déployez-vous. Déployez-vous. Oula. T'as dit, on va essayer de l'avoir au couteau. Attendez. Attention. Ok, il repart. Vite, 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 vite. C'est le moment. It's your time. Tac. Ouais. Et il est où l'autre ? Attendez, il a pas donné quelque chose, lui ? Que dalle. Putain, il est radin, quoi. Alors, où es-tu ? My god, il est passé où ? Peut-être descendu ? Non. Bon, on a perdu un gars. Ailleurs. On déconne pas. Putain, je suis le mec le plus discret au monde et ils arrivent même pas à m'entendre. Bien sûr, c'était ironique. Alors, on peut y aller maintenant. On peut rentrer dans la maison. En tout cas, pas par là. Peut-être ici, hein. Je vais pas piéger ici. Je veux pas être piégé, ouais, bah, t'es trop tard ma grande. Hein. On va essayer de retourner à Joël. Combien je vous parie que Joël n'est plus ici. Joël a disparu.
il s'est fait enlever. On va fouiller un peu toute la zone d'abord. Par contre, moi je suis en train de courir dans une zone que... Voilà, c'est bien ce que j'ai dit. C'est bien ce que je disais. Là, tu me vois pas, je suis caché. Ah! Attendez, on va monter à l'étage. Très bel étage, putain. J'avais même pas remarqué qu'en fait c'était juste un truc de merde. Ils ont réussi à rentrer ou quoi? Ils m'ont pas vu. On se tire. Par là. Ah mais là on peut... Non, il y a un truc qui empêche. Ah. Oh merde. Non mais je voulais l'attaquer au couteau. Salaud. Bleu. Saloperie. Il est où l'autre? J'ai entendu un autre gars. La sortie c'est par là. What? Putain, d'un coup ils me mettent une putain de musique Ah d'accord, c'est pas là la sortie. Je vais. Oh les patates, tiens. Non mais oh, tu me prends pour qui là? Ouais. Bon, c'est pas par là la sortie. C'est par où la sortie? On va repartir. Par là, quelque part. Ils étaient deux, donc là je pense qu'il y aura plus, personne. Bon. Bah écoutez, c'est par là. C'est sûr que ça doit être par là. Mais alors où? À moins qu'il fallait que je tue les deux gars pour pouvoir y aller. Eh bah ouais, fallait que je tue les deux gars pour pouvoir y aller. Comme par hasard. Le jeu se passe scripté du tout. Ah! T'es calme! T'es en sécurité! Lâche-moi! T'en fais pas. Ah, il m'a assommé! Oh le bâtard! Comment tu te sens? Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est? Tu sers? Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami, vous avez tué combien d'hommes? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix? C'est ça? Vous tuez pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant? Vous allez me découper en petits morceaux aussi? J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été... plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Les convaincre de quoi? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. Pédophile en approche.
Le mec de me toucher la main, ouais. Il est fou, lui. Oh, elle est en train de l'attendre. Voilà. T'es vraiment stupide. On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant? Ellie. Quoi? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt! Comment t'as dit? Hein? En petits morceaux. À demain matin, Ellie. Oh putain. Ça pue du cul, cette histoire. Ah, il a encore en vie. Malheureusement, parce que ça va être la guerre. Ellie. Ellie. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on a commencé et on va s'arrêter là. C'est passé énormément de choses aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, allez, tchuss tout le monde.